Kawane X Connex. J'ai appris le. J'ai kiffé le mouvement graffiti au début, quand ça a commencé à La Réunion en 90. Et là, on est au Camélia, Château Morange. J'ai grandi et vécu ici et vis encore ici. C'est un quartier populaire de Saint-Denis. Et on est très bien, ils ont fait les rénovations. Venez faire un tour, vous allez voir, c'est cool. Pour le Festival International Réunion Graffiti, on a été conviés, Rocco et moi-même, pour faire une fresque ici à Château-Morange, sur une fresque assez grande sur un immeuble. Et moi, mon idée, c'était de passer un message assez positif pour dire aux jeunes, cultivez-vous, que ce soit par la littérature ou les BD, le dessin, les sciences, ça va toujours vous servir dans la vie. Nous, notre génération, on a eu accès au savoir, à l'école. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes un peu perdu, mais prenez des bouquins. Et donc, la fresque, ça montre une jeune marmaille, là, en lévitation, avec un manga à côté d'elle. Et on voit qu'elle rayonne, qu'il y a toutes les couleurs qui sortent, son cerveau flamboie. C'est parce qu'elle est en train de lire un bouquin. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une BD, ça peut être des livres. La littérature, ça peut être n'importe quoi, mais les bouquins, ça fait du bien au cerveau, ça fait voyager. Anecdote qui s'est passée quand on a réalisé ce mur, la nacelle est restée bloquée avec moi en haut. Bien sûr, il prenait un mec balèze et il me file la plus petite nacelle, tu vois. Donc avec du vent, c'est resté bloqué. Et à ce moment, je me disais, ouais, mais c'est un truc de fou, je vais rester combien de temps bloqué, mais au final, ça s'est très bien passé. En 20 minutes, on a pu résoudre le problème et continuer la fresque. Ici, on est à Château-Morange, qui fait partie de Camélia. Si vous faites un tour de la capitale, Saint-Denis, ça serait bien de venir faire un tour à Château-Morange ou Camélia. On a eu une rénovation urbaine, il y a des parcours de santé. Il y a le poumon vert familial pas très loin. Si vous aimez la marche, si vous aimez le street art, il y a de quoi faire. Venez faire un tour, venez visiter. Il y aura toujours des sourires pour vous accueillir.